Donc, je suis très heureux d'organiser cet événement à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Les enseignants-chercheurs, les élèves, les étudiants et les start-up, les entreprises qui sont hébergées. Et l'idée, donc bien évidemment, qu'il y ait des collaborations entre ces trois populations. Donc, le 6-19, c'est un pré-incubateur, incubateur et pépinière d'entreprise. Je suis Rokaya Benazi, étudiante à BSU en deuxième année en filière maths appliquées. Summer School, c'était une vraie opportunité. Du coup, j'ai passé du côté étudiant, après junior entrepreneur. Quand on parle des femmes entrepreneurs, vous savez, on parle souvent de l'entrepreneuriat féminin. L'observation que tout le monde m'opposait était de dire « Ah ben, des femmes, on en veut bien ». On n'en trouve pas. Des femmes, on voudrait bien en recruter. Non, on n'en trouve pas. Des femmes, on voudrait bien en financer. Mais elles ne demandent pas d'argent. Donc vous voyez, c'est toujours en fait la faute des femmes. Donc, bravo déjà pour l'événement que vous organisez aujourd'hui parce que effectivement, c'est important de montrer déjà que les femmes ont leur place dans la tech et dans l'innovation. Je m'appelle Ségolène Dufour-Jeanson, je suis la cofondatrice d'une société qui s'appelle Artis. C'est la première application mobile développée au monde qui permet de créer, de participer et de partager des parcours en réalité augmentée, géolocalisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de pousser tout le monde à quitter le monde réel, à fuir la réalité pour aller dans le métavers et vivre entièrement dans la virtualité, nous, ce qu'on propose, c'est d'enrichir la réalité d'éléments virtuels qui ont un impact et même incroyable sur l'avenir de la société en général. Donc moi, c'est Audrey Lehon. J'ai créé l'Aide Digitale en 2021, donc c'est tout récent. Et je suis enseignante aussi à l'Université des Brilles en technique audiovisuelle. Et je suis vidéaste, d'ailleurs, c'est ça mon métier de base. Et c'est vrai que pendant le Covid, du coup, j'ai dû travailler des cours à distance, un peu en catastrophe. Parce que moi, mon contenu, c'est faire de la vidéo. Donc c'est très pratique. Et du coup, qu'est-ce qu'avaient les étudiants pour travailler chez eux, leur smartphone?